j'espère que ça marche. J'espère. Si ça marche pas, c'est pas bon. Si ça marche pas, c'est la merde. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Amis de la nuit, bonne nuit. Non, mais bon, on va pas la faire à la beauf. Hein. Là, c'était les beaufs qui disaient ça à l'époque. Hein. Amis du soir, bonsoir. C'était... ah ouais, les discothèques. Malheureusement pour eux, bah ouais, ils font plus recette. C'est comme ça. C'est comme ça, malheureusement. Là, dans les boîtes, c'était... les geekis, les cocos, allez. On claque des mains et on trépine des pieds. Roule malin. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Ah, mais lui aussi, là. Eh, ça devient à la mode, les mecs qui read-safe... qui read-safe, en fait, en face. Eh, faut les voir, hein. Moi, je vois, je regarde ma route. Mais c'est vrai que j'ai du mal quand même à regarder en face, quoi, tu vois, c'est... Bon, après, hein. Mais bon. Oui, je disais, oui, dans les nightclubs, là, c'était... les geekies, les gogos, allez, on claque des mains et on trépigne des pieds, oui. Oh là là. Non, non, j'ai pas bu, tout va bien. Et avec qui, il y avait... bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, amis du soir, bonsoir, amis du jour, bonjour, amis de la nuit, passez une bonne nuit. Oh, 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 le portable, mon ami. Eh oui, tu le sais, c'est, en fait, c'est un souci, ça. Quand tu regardes le portable, quand tu tapes des textos, c'est... Tu le sens, le mec, en fait, tu vois, t'as ta voiture qui part à droite, t'as ton petit œil gauche qui part ton attention sur le rétro de gauche, mais en fait, il sert à rien vu que t'es à gauche. Par contre, ta main droite, ton pouce sur tes textos, bah ouais, et puis tu t'aperçois au dernier moment avec ton œil droit, et tu regardes non ton rétro, merde, j'ai décalé. Ou alors des fois les mecs, hein, ils s'en aperçoivent même pas, hein, ils entendent juste un coup de klaxon, c'est ça qui les remet en route, hein, c'est... sinon que dalle quoi. Enfin bon. Bon. Je vais sortir au Bourget vu que je vais à Aubert. Tu décales toi, tu te décales, la mythe aussi, t'as vu détruire ton portable. Oui. Ah le délire, je te jure, de toute façon, je sais que je vais pas le mettre, ça. Je sais que je ne vais pas le mettre. N'importe quoi. T'es un vrai gosse. Enfin, vous verrez que quand vous aurez un certain âge, vous allez vous mettre à faire les mômes, quoi. Tu vois. C'est très important, ça, de faire le gamin de temps en temps. Tu sais ça? C'est très important, mon ami. Très important. Faut faire le gosse un peu de temps en temps. Tu sais, faut être... voilà, quoi. Faut être gamin, quoi. Dis bonjour à la dame. Hop. Bon, j'arrive à trouver mon point mort là. Ça, c'est un peu chiant, ça, par contre, tu vois. Alors, direction Aubert. Ouf. Ah, tu m'as fait plonger là. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que tu fais, t'en dis non? Ah ouais! Ah t'es bon toi frérot! Non mais non, sois cool, putain, t'as pas de. J'ai pas intérêt de. Hop!
Ryan Enfield. Et tu brins beau quand même dessus. Hein. Ah ouais. Marque indienne, en fait, à la base, c'était une marque anglaise. Hein. Mais à la toute première fois, c'était une marque anglaise. Hein. Faut savoir qu'une marque anglaise qui était construite en Inde. Mais sinon, c'est devenu là une marque indienne à temps plein, on va dire, à temps plein. Bah ouais, à 100%. Maintenant, c'est une marque indienne. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé de ce côté-là. En fait, le Bourget, oui, je passe souvent, mais de ce côté-là, non. Je suis dans l'autre sens habituellement. Je vais fermer, voilà, comme ça on m'entend mieux. Je disais qu'habituellement je passe de ce côté-là, enfin sur cette avenue, mais dans l'autre sens, tu vois. Mais pas de ce côté-là à droite. Ouais. Ouais, comme tu veux, c'est bientôt. Attention, 1, 2, 3, 4. Bah ouais, y a plus qu'un hein, frérot. Hein. T'as vu, hein, tu peux pas faire autrement quoi. T'es obligé de prendre là. Ça c'est bien ça, tu vois, pour les meules. Comme ça au moins tu vois, hop, tu fais ça, 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 et après, hop, tu peux. Tu peux biffer le côté. Biffer le côté. Alors ça c'est une vraie merde hein. Quand les gens se... Voilà, quand tu te ranges correctement ça va, mais sinon... putain, c'est une merde hein. C'est cyclable, c'est des cyclistes. Je sais même plus moi. Ah ouais, c'est abusé. Eh, tu te rends compte, c'est que des... Ah ouais, non, là c'est abusé. Eh franchement, vous abusez les gens. Là c'est abusé quoi. C'est une route de merde. Tu sais, c'est les camions, en fait, surtout l'été, quand t'as le bitume qui est bien chaud, et quand t'as des super lourds qui passent dessus, tu vois, ça te fait des creux. En fait, t'as des dodanes à l'envers, quoi, tu vois, dans l'autre sens. Oh, lui, il est trop fort. Ouh, mamma mia, il est trop fort. Et oui, t'as des dodanes, tu vois, dans l'autre sens, quoi, tu vois. Donc, quand tu passes, t'as vu, ça te fait des vagues. Et tu vois ce que c'est, toi, qui roule en moto, mec. C'est une vraie merde. La. Police. J'ai cru de loin. N'importe quoi, je te jure. Aïe aïe aïe. Ouais, on va aller jusqu'à. Je suis sûr qu'il regarde pas à droite. Oulala, alors ça j'aime pas ça du tout, moi qu'à laver ma meule, putain. Putain, vous déconnez les mecs là, merde. Ah ouais, ça a flotté là. Du coup, comment je fesse je fesse comment, mon pote Non, je vais aller tout droit et je vais récupérer dans l'autre sens. Bah oui. C'est pas ce que c'est que tourner à gauche. Chaud là, hein. Non, c'était chaud, mon ami. Non, mais faut montrer aux plus jeunes que tu vois, il faut doubler à gauche, quoi. Il faut doubler à gauche. Non, mais là, lui, déjà, il a du mal. Alors moi, c'est même pas la peine, mec. Ah oui. Ce que je me méfie simplement, c'est les piétons, tu vois. Les mecs. Parce que logiquement, t'as toujours un mec là, un con là, qui vient. Alors lui, par contre, un truc qu'il faut. Ne faites jamais ce que je fais, quoi. Parce que si c'est vert. Ah, il y a embrouille là. Ah ouais, il y a une embrouille. Sans bleu, il fallait l'eau, non? Ah non, j'ai cru qu'il y avait une embrouille. En fait, c'est rien, c'est un carnaval. Ouais, alors t'as vu le camion là, ce qu'il fait
enfin t'as vu ce que j'ai fait là entre le camion, il suffit que ça passe au vert, le camion il regarde à droite ou il regarde pas, logiquement il a des rétros, hein. Des rétros de circonférence, hein. Et ben logiquement s'il te voit pas, t'es mortibus quoi, mon pote, il avance, tu te fais écraser quoi, t'as vu. Vas-y. Moi je vais passer quand même parce que si personne passe. Ah ouais mon pote, putain. Ah ouais mon pote. Non mais tu sais qu'il a un mètre de l'autre côté là. Il a un mètre le mec de l'autre côté. Bon peut-être pas un mètre, mais il a au moins 70 cm quoi. Ouh là là, t'es un chaudard toi frérot. Eh non mais le mec, regarde, il est parti. Sorti d'école, hein. Regarde comment il s'est garé quoi. Non mais sérieux quoi, non mais c'est un truc de ouf quoi. Il est parti chercher ses gosses à l'école. Y a rien à dire. Alors des fois ça m'est déjà arrivé de me garer comme un gros bâtard, mais pas comme ça quoi, tu vois. Sens inverse de la circulation, merde. Sens inverse de la circulation et fait n'importe comment quoi, tu vois, en traviole. Vous êtes gentils les. Oui, c'est vert. C'est vert, hein, c'est vert pour moi. Ça patine derrière, dis-moi là. Je l'ai pas mis en position SM. Hein. Alors SM, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas sadomaso, hein, c'est super motard. Hein. En fait, t'as une position super motard dessus, c'est pour ça. Ouh, ouh. Là, j'ai pris une merde dans l'œil, là. Alors là, j'arrive dans une super ville qui est Aubervilliers, frérot. Si tu la connais pas, cette ville, si t'habites en province, franchement, vas-y. Viens. Je t'y invite. Tu vas t'éclater ici. Ah ouais, tu vas t'éclater là. Franchement, il y a de quoi. Hein. Ah, c'est une ville de ouf. Ah, mais un vrai kiff. Ah ouais, Aubert. Pour ceux qui habitent, ils le savent. Hein. Donc, ils le savent. On sait de quoi on parle tous. Là. Alors oui, c'est vert. Et là, ça va être au vert encore. Mais Fréon, faut arrêter tes conneries. Hein. De la Villette, mon ami. Bon, j'aime pas doubler comme ça à droite, putain, ça fait chier. C'est ça le problème, frérot. Tu vois, il me manque pas beaucoup, quoi, tu vois. Non. Aïe, aïe, aïe. Le marché aux voleurs, ça s'appelle comme ça, hein, je suis désolé, hein. Ça s'appelle le marché aux voleurs. Extérieur, il est là frérot, on est au bel. Et en fait, allez, oh mamma mia, ça c'est quoi, c'est le périph, ça c'est l'entrée du périph déjà. Wow. Déjà. Aïe. Ouais les amis, super, bah ouais t'as bien raison toi, c'est ce que je vais faire. Y a pas que ça, ouais. Alors c'est bien parce qu'il y en a qui me disent ouais putain tu
tu roules comme une merde. Enfin bon, ils m'ont pas dit ça comme ça, mais ils m'ont dit ouais, refus de priorité, doublement par la droite. Mais ça, c'est la mode parisienne, mec. Et ouais, c'est la mode parisienne, comme là, tu vois, il y en a qui me disent ouais, tu fais pas l'interfait, tu doubles les véhicules de gauche par la droite. Ouais, bah je pourrais dire aussi que je double les véhicules de droite par la gauche, non? Eh oui. Eh oui, un mec qui est pressé derrière en BM, à mon avis, lui. À mon avis. Quoi, parce que tu vois, le soir comme ça, t'as des mecs qui te disent ah, c'est là que je sors. Enfin, ouais, c'est toujours comme ça, quoi, tu vois. Je vais la faire à la Tunsi, tu sais, doubler le mec par la droite, quoi. Non, mais sérieux, est-ce que je dois aller à la porte de Saint-Cloud? Marrant son petit chariot derrière. Tu veux passer toi, vas-y, hop. Vas-y, passe. C'est un coursier. Hein. Moi, je suis un fervent, pas autant que lui là. Ah ouais, lui c'est. Ah, lui il rigole pas, lui. Il trace. Hein. Merci mon ami. T'as vu, je suis en position street, ce qui me fait un peu plus de 200 chevaux, tranquillou quoi. Ah, alors je sais plus, je voulais dire un truc l'autre jour, parce que je me rappelle, je parlais d'un truc, et puis ça n'a pas enregistré mon amigo. C'est bon, à 80 ça flash ou pas, t'es à 60, c'est des BMistes hein, frérot. Hein. Tu crois que je vais lui dire merci? Rien du tout. Les mecs ils disent même pas bonjour ni rien. Je suis désolé, hein, tu prendras pour les autres. Toi. Regarde ça, hop, au moment où je. au moment où j'enlève ma main de mon guidon, ça freine. Ça freine. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait au milieu lui? Ça devient plus en plus grave, Paris. Mais grave. Il va passer, hein. Il passe hein. Ah ouais, c'est... Quand je te dis qu'il passe, il passe, mec. Hein. Avec ton portable entre les jambes, c'est une très bonne école, le périph, pour un A2. Bon, après, faut pas rouler comme une folle, hein. C'est sûr. Mais c'est vrai que c'est une très bonne école. Alors lui, le MP4, on est dans la merde. Hein. Ah ouais, là, je le sens bien. Si je le double, si je le prends pas à droite ou à gauche... Je sens que je vais... Ah, mais t'es un bon, toi. Ah oui, toi, tu mérites un grand merci, l'ami. Non, c'est une belle école. Enfin, une belle, je sais pas, mais en tout cas, c'est une bonne école. Le périph. Pour les débutants, quoi. Bon, après, les A2 ou les jeunes A, on va dire. Ah ouais, mec, c'est pas de sa faute, hein. C'est un BMiste. Ah, c'est un BM. Et les gens, ils vont croire que je suis un anti-BMiste, quoi. Non, je suis pas un anti-BMiste. Hein. Moi, j'ai déjà eu un BM aussi. Hein. J'ai déjà eu des BM en voiture. Non, jamais en moto, mais en voiture, ouais. Ouais. Mais oui. Là, c'est un gros problème, en fait. Il faut toujours se mettre à droite, quoi, tu vois. Tu vois là par contre je vais rouler comme ça. Parce que si le mec il pile, tu vois au moins j'ai un sas. Ah, il passera pas. J'ai un sas. Alors que si tu colles devant,
boum, tu passes pas quoi, tu vois. Ah mais trace mon pote toi. Trace. Si tu veux pas bouger, je vais te coller. Hein. Tu vas rien comprendre là, mec. Hein. Je te jure. Eh, c'est un truc de ouf ça. Bien sûr que je vais pas te plonger. Merci. Ah ouais, toi t'es un bon toi. Alors c'est là que je vais être. Ah non, c'est pas là, putain, je fais n'importe quoi. Tolocadelo, la Concorde. Je crois que non. Je crois que je vais aller tout droit. C'est, tu vois le pont là-bas, c'est là où je vais. Alors, j'ai bien fait de ne pas prendre ici, parce que sinon, je suis foutu, frérot. Je vais prendre là. Je vais prendre dans le 15e, je vais à Grenelle. Super. Merci. Ah, son vélo, putain. C'est pas tu nous as niqué. C'est pas tu nous as niqué la mère. La mère. Comment elle s'appelle là? Tu m'as compris quoi.